Voilà, merci beaucoup, Madame le Gouverneur. C'est l'Association des ressortissants de Kédougou pour le développement. Ils sont en France, des jeunes qui ont la tranche d'âge de 18 à 35 ans, qui se sont mobilisés pour faire ce geste symbolique. Hier, nous étions avec l'Action sociale, à qui nous avions demandé d'établir une liste de 20 ménages impactés par le COVID-19 et qui ne se retrouvaient pas sur la liste nationale, la liste et le RNI aussi, mais aussi des gens qui sont vraiment démunis et qui sont dans le département de Kédougou et environ. Donc c'est par la suite qu'une liste de 20 ménages a été concoctée par l'Action sociale. Et hier, on a remis à chacune de ces familles, de ces ménages aussi, un sac de riz de 50 kg. Donc on a fait avec l'Action sociale. On geste aussi avec ces 430 000. C'est 100 000 qui restent de l'argent. Et c'est avec ces 100 000 que nous remontons aujourd'hui au comité régional de gestion des épidémies. Un comité que nous remercions aussi pour leur engagement aussi sans faille. Ils ne ménagent aucun effort dans le cadre de la protection des personnes. Et jusqu'ici, Kédougou n'a pas enregistré de cas. C'est grâce à la vigilance de ce comité-là. Et nous le remercions. Étant jeunes aussi, nous nous lançons dans le développement de notre terroir. Nous n'avons que Kédougou. Kédougou nous a tout donné. Kédougou nous a vu grandir. Kédougou a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Ailleurs, ils sont un peu partout à travers le monde, notamment ceux qui sont en France. Et ce n'est qu'une partie, ce qu'ils annoncent aussi dans le cadre du développement pour Kédougou. Et ils seront là très bientôt dans d'autres actions de développement aussi. Et vraiment, nous vous remercions. L'ARKD reste à la disposition des autorités de Kédougou, mais aussi de la population de Kédougou. Nous vous remercions. Merci. Je vous remercie, M. Touré. Je remercie également à travers vous, votre structure, l'ARKD, pour cette belle action. Vous venez de le dire, vous avez en rapport avec le chef du service régional de l'action sociale sélectionné 20 bénéficiaires auxquels vous avez donné un sac de riz chacun. C'est une participation au développement de la région. On ne peut que le saluer, qu'encourager et féliciter cette initiative. Il est heureux de voir que les jeunes participent à la lutte, car l'État seul ne peut pas tout faire. Il a besoin des acteurs, des jeunes, des femmes, de toute la communauté pour mener à bien cette lutte afin qu'ensemble nous puissions vaincre le coronavirus, n'est-ce pas? Donc nous vous remercions pour ce geste, nous vous félicitons, nous vous encourageons également à faire de même dans le cadre d'autres activités auxquelles la région de Kédougou aura besoin de vous. Je vous remercie.